Pour les fans de Friends, difficile de répondre à la première question, le personnage préféré. Monica. Pourquoi ? Non, Joey. Non, Ross. Ah, c'est dur. Je crois que c'est Chandler. Rachel. Peut-être Joey. Joey. C'est Phoebe. Et vous, madame, c'est qui votre personnage préféré ? Alors, moi, c'est Monica et Chandler. I want a baby. Not tonight, honey. I got an early day tomorrow. La sitcom fête ses 25 ans. Élue meilleure série télévisée de tous les temps, d'après un vote du site Télérama auprès de ses lecteurs, Friends, c'est la série qui rassemble toutes les tranches d'âge. Moi, je suis venue vraiment parce que j'adore cette série, je passe mon temps, c'est peut-être la 10e fois que je la regarde, donc j'adore ça, et du coup, bon, voilà, on trouvait ça cool d'y aller pour les 25 ans. C'est quand même un pilier de juste de l'histoire de la série, quoi. C'est la plus mythique, en fait, tout simplement. Puis même les... nous, je sais qu'on avait une bande d'amis aussi, on était 6 comme ça, et ça nous faisait kiffer, puis en fait, bah, c'est la même chose. Genre, on peut s'identifier, c'est réconfortant, c'est cool, c'est trop bien, puis on connaît par cœur, puis on a l'impression, limite, d'être amis avec eux, c'est trop bizarre, mais... Pour l'occasion, le cinéma L'Olympia de Dijon a passé en boucle 12 des meilleurs épisodes de la série, en version originale, sous-titrée en français. Ça se passe sur le plan national. Nous, on a décidé de mettre en place un petit atelier photo. Voilà, après, chaque cinéma fait ce qu'il veut. Nous, on essaye de faire les choses en grand à chaque fois. C'est parti pour un marathon de 5 heures. Mais ça n'impressionne pas les fans, bien au contraire. À l'époque, les télés n'étaient pas aussi grandes que ça. Et sur grand écran, c'est super, je trouve, vraiment. La série s'offre exceptionnellement quelques heures au cinéma, mais les aventures de Chandler, Joey, Monica, Phoebe, Rachel et Ross sont les plus regardées en streaming en 2019.